Je gueule toujours un peu dans le micro, j'ai l'impression qu'on va pas m'entendre. Parce qu'il est un peu loin en fait, il faudrait que je parle comme ça, c'est un micro professionnel, vous comprenez? Vous comprenez que j'ai mis l'argent? J'ai mis tout l'argent de l'appartement dans le micro là. J'ai hypothéqué. J'ai quasiment hypothéqué pour devenir streamer. Regardez les cernes. J'en dors plus la nuit. C'est beaucoup de soucis pour moi et ma famille, ce qui se passe actuellement par rapport au stream. J'arrête, ça me donne envie de chialer. Bon, on va pas se racheter un gâchapon, hein, c'est bon, hein, on a compris. On a compris que ça servait à rien. Bon, là, on dirait quelqu'un qui a été violé en prison, parce que c'est ça la signification, hein. Non, pas violé, hein. Faut savoir quand même que les détenus américains, quand ils ont le pantalon relevé d'une jambe, ça veut dire qu'ils sont libres pour se faire sodomiser, hein. Faut quand même que les gens soient au courant de ça, hein. Donc vous amusez pas à le faire avec votre petite jogging. Donc elle m'a demandé de bah encore une quête à la con, voilà, tout simplement, je me suis fait avoir. J'ai que quoi qu'est-ce? Ouais, ah oui. Ah bah ça m'a été bien utile ça de savoir que tu C'est chiales. terminé. Ah bon? Hey Kojak. Mais non, c'est le mec de Star Trek. Qu'est-ce que tu fous là? J'ai perdu absolument tout ce que je possédais. Ben oui, ben écoute, on a chacun ses soucis, hein. Oui, il devrait se trouver sous terre, dans les égouts. On y accède par une plaque dans le parc pour enfants. Ben oui, en fait, j'y suis déjà allé. Très bien, ne bouge pas, je reviens. Même que j'avais fait une petite blague en disant que c'était ici qu'on vendait nos reins et il y avait un trafic d'organes. Petite blague qui avait fait un très grand effet sur YouTube. Beaucoup de gens avaient rigolé. J'ai reçu énormément de messages. Trop même, beaucoup trop. J'ai été mal à l'aise toute la journée. Très bien, ne bouge pas, je reviens. Il comprendra si tu lui dis que Kendo le demande, s'il te plaît. Fais vite. Oui, ben on va faire vite. On va faire déjà. Déjà, on va faire, ce qui est déjà sympathique. Et puis, tu te calmes. Oui, tu nous avais promis une communauté irréprochable, alliant la bienveillance et une vision positiviste des choses, et finalement on se retrouve avec des gros cons. Ta communauté, c'est des gros cons, on me chuchote sur Twitch. Qu'est-ce que je réponds moi à ça? Qu'est-ce que je réponds à ça moi? Eh ben je banne, voilà, je suis obligé de banner pour vous, je banne à tour de bras. J'ai 15 Ukrainiens là que j'ai engagés dans l'équipe de Modo. Ils bannent à tour de rôle. Quelqu'un qui me dit ça va, on banne, on banne, on banne. On a tellement peur de tomber sur le coup de la loi, on banne. Désolé. Ah, c'est un petit colis pour ta petite copine. Et j'imagine que c'est pas le tien, n'est-ce pas? C'est un souvenir de ta mère? J'ai pas de famille. Qu'est-ce qu'il va inventer? T'en sais rien de ce que c'est. Non, je l'ai trouvé par terre, ça coûte 1 euro, je voulais pas le perdre. On a poursuivi un beau rêve, un rêve précieux. Quoi, celui du Troisième Reich? En langage des fleurs. Ah, pardon. Autant pour moi. Tu devrais m'oublier, ça vaut mieux. D'accord. Vous êtes qui? Ce sera plus simple si je sais qui vous... Tu te souviens quand on faisait pipi par la balustrade? Et que tu me touchais les nichons? Tu te souviens, Claude? Tu sentiras ma botte quelque part? D'accord, j'ai compris! C'est toute la différence, c'est ce qu'on vit actuellement d'ailleurs. Hein. Les gens pensent que le respect, c'est la crainte. Genre, tu vas me respecter. Non, non, moi je respecte Proust, Victor Hugo, vous voyez, ma grand-mère. Mais pas parce qu'ils me font peur, hein. C'est parce qu'ils ont du talent. Les mecs dans la rue, ils pensent que le respect, c'est genre mafia, quoi, tu vois. Non, non, non. Encore heureux, il y a encore une majorité de gens intelligents dans ce monde. Qui savent faire la différence. Bon, je sais pas pourquoi je parlais de ça. On peut manger des petits plats. Oh, il y a de la nourriture dedans. Est-ce du curry?
part ça, si c'est du curry, j'en mangerai pas. Ah, j'ai mon fond vert qui déconne. Elle a laissé un petit mot, voyons voir. Pour Yagami-kun, je vous ai préparé du curry. Alors, c'est-à-dire qu'elle a les clés de chez moi, quoi. Ah, ça, c'est intéressant. Elle a les clés de chez moi. Elle vient, elle rentre. Bon, pourquoi pas, hein. Mais j'ai pensé qu'un curry ordinaire ne suffirait pas. J'ai donc ajouté du melon amer, un de mes fruits préférés. Heureusement que ton fruit préféré, c'était pas de la merde. Bon. Il va me falloir un code pour entrer. Je pense que c'était un entrepôt. Je ne connais pas l'homme, mais je peux essayer de toucher au hasard. Hein? Au hasard? Bon, ça n'a pas marché. Bah oui, bah évidemment. Mais... J'aurais trouvé là... On va passer par là. D'ici, je peux gagner le toit. J'ai trouvé le moyen de monter. Bon, bah très bien. Bah, en fait, je me faisais chier essayer de trouver des codes et des machins alors qu'il suffisait de passer par la fenêtre. En plus, il y avait un petit tapis pour pas se salir. Il y avait un mec qui s'est dit, si un jour, il y a quelqu'un qui a pas la clé et qui a pas le code, je vais lui mettre un petit tapis. Il va pas se salir quand il va passer par le... par la fenêtre. Ah. Bah oui. Ouais. Pourquoi pas? En même temps, pourquoi pas? Qui nous sommes pour le juger, après tout? Hein? On vit dans une société où nous ne cessons de nous plaindre. On vit dans la société de l'offense. Qui est-on? Que fait-il de mal, finalement? À humer du textile. Parce qu'on peut voir les choses comme ça. Moi, si j'étais son avocat, et je suis un avocat dans le jeu, je dirais, mais laissez donc, monsieur, humer le textile. Alors que c'est comme ça, maintenant? On n'a plus le droit d'humer du textile? Ah, l'odeur est fraîche, mais avec une note musquée. Si ça se trouve, c'est une belle fille bien replète du type working girl. Et vous? Hein? Qui ose déranger mon festin? C'est vous qu'on appelle le professeur culotte? Hein? Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous vous habituez un petit peu à mon skill. Parce que les premières fois, c'est vrai qu'on est, on est un peu surpris. On se dit, oula, ça va très vite, dis donc, une certaine maîtrise. J'ai pas à faire un rigolo, voilà, c'est ça déjà. Les premiers retours en général, c'est bon, j'ai pas à faire un rigolo. On reste un petit peu hébété pendant les premières heures. Et puis petit à petit, bah, on se laisse emporter. Mais c'est rien de plus normal. On a tous eu des mentors, hein, dans sa vie. Donc il n'y a aucune honte. Hein. Il ne faut pas avoir la fierté mal placée. Voilà. Donc à très bientôt pour cette partie 16. Je vous embrasse bien fort.